Bon, si vous avez des ballons à nous envoyer, n'hésitez pas, hein, mais des vrais ballons qu'on puisse les gonfler à bloc et en jouant au jeu de fléchettes, on se mettra plus loin et là on fera du vrai bruit. Bon, mon petit GG, on va parler dans un instant donc de ce fameux grand moment, mais juste avant, on va parler d'autre chose. Fildar, tenez, on parlait maintenant, on peut peut-être le faire maintenant, hein. Ah non, 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 j'ai vu, c'est pas la peine de le lire à l'antenne. Non, mais c'est un truc... J'ai vaguement regardé, alors donc il est hors de question que tu passes ça à l'antenne. Juste avant je te rends ta jambe que j'ai encore retrouvée dans une poubelle. Arrêtez, commencez pas, il est venu en bon esprit. Le match te dit non. Mais ça, je le lis pas, je vais lire le casque, Gérard. Mets ton casque, Gérard. Ça, c'était sa jambe. C'est une jambe en bois de pour expliquer aux auditeurs, c'est une jambe en bois de mannequin qu'on veut lui donner parce que c'est comme il a plus sa jambe bionique, bien sûr, c'est faire. Et à chaque fois, il veut pas de cette alors. Non, mais ça sert à rien de le lire, j'ai vaguement vu, donc ça m'intéresse pas que tu lises ça. Mais non, mais là je lis en courrier, mais tu permets, il y a une fausse signature, donc mais on s'en fout de la signature, je dis pas la signature. Là, je suis en train de lire le bilan et l'analyse des débats par Starsky Productions. Donc c'était sur le thème des routiers, la CIBI, c'est ce que t'as fait la semaine dernière, le jeudi 31 août. Ah ouais, exact, oui. Donc il a duré 2 heures, il y a eu 12 questions, l'animateur c'était Gérard, au standard Anka Fildar et à Manu, Internet Rigo, voilà, tout est précis. Alors les auditeurs participants, il y a eu Monsieur Mazur, il y a eu Martini, il y a eu Jackie, il y a eu Petit Poussin, YL, Petit Pouce, Monsieur Ricardo, Michel, Pourx, Star Turc, Michel Meignet, Gastro Liquide, Gastro Solide, Pourcy Walker, Mister Jolo, Poussy de Jéhovah, Absolute Pousca, Dev Superstar, El Château et Gomez. Il y avait pas mal de monde. Tous ces gens-là sont passés dans le départ de ça. Mais vas-y, il n'y a pas de nom de famille, il n'y a rien. Alors, mets-toi là-bas plutôt. Parce donc, plus, non, viens avec moi, Phil, viens. Surtout, ouais, ça sent la rose. Non, mais... mais de toute manière, ce qu'il faut dire, c'est que tous les noms qu'il a annoncés ne sont pas passés sur l'antenne, donc t'es un menteur. Attends, je suis désolé, j'ai les piches, et tous les noms que t'as annoncés ne sont pas passés. Déjà, Gastroliquide et... Gastrosolide. Gastrosolide, c'était sur les thèmes de CIBI. Les CIBI, les routiers, c'est ce qu'il dit, c'est le dernier débat que t'as fait sur CIBI, les routiers. Il y a des noms qui sont pas passés sur l'antenne, d'accord? Alors, avant le débat, Gérard fait le point sur l'organisation du débat. Il ordonne aux auditeurs de ne pas téléphoner d'un portable et de bien répondre aux questions qui seront posées uniquement 2 fois maxi. Ça, c'est normal. Voilà. Donc, vocabulaire de Gérard. Donc, Gérard a dit en moyenne 70 fois non. Donc, ça fait toutes les minutes. Une fois non toutes les minutes. 63 fois ouais. 14 fois ben. 44 fois 6 fois bon, ben, ça y est. Il a dit aussi 18 fois oh, 7 fois 7 fois bonsoir, 10 fois merci, 4 fois s'il te plaît, 6 fois ta gueule, 54 fois au revoir, ça c'est ton must, 5 fois oh là là, et 8 fois je vais te dire une chose. Attention, les temps sont arrondis, d'accord. Gérard a engueulé Manu 18 fois, soit une fois toutes les 6 minutes, Anka 12 fois, soit une fois toutes les 10 minutes, et Rigo rien. Pas normal. Et toi? Justement, la médaille du plus grand emmerdeur du Star System revient à Fildar avec 23 engueulades avec Gérard. Donc en moyenne, Gérard a engueulé Fildar une fois toutes les 5 minutes. Ah, c'est balèze. Donc j'ai eu le cachet. Comme quoi j'étais. On fera mieux la prochaine fois, t'inquiète. Ouais, mais ça m'étonnerait. Faut que ça se calme, ça d'ailleurs. Donc bilan du débat. Thème les routiers, la CIB durée 2 heures, ok. Donc conclusion de Gérard, standard merde. Réa catastrophique, internet bien. Anka nul, Fildar et Manu le bordel, reproche par Gérard, bordel complet, reprise des auditeurs déjà passés sous un autre nom. Conclusion des auditeurs participants, pour certains très bien, bonne rentrée et bon début, pour d'autres déjà vu, pas nouveau. Sur l'internet, on termine à 9833 connectés. Oh là là, bravo, on applaudit. Voilà. Quand même, tu te souviens de ce chiffre-là, t'avais fait 9... Donc l'analyse du débat par Starsky, donc très bon débat, bon fou rire. Merci Manu pour les jingles inédits, merci Fildar pour les petits sons d'ambiance, Anka n'a rien foutu. De bonne manière, ça changera pas. Elle se coiffe, elle dessine pendant les débats. Durant le débat, un remix de Gérard a été diffusé. Merci l'équipe. Les auditeurs ont été drôles et sympas. À noter aussi une manifestation de Fildar et Manu pour que Gérard lise les sondages. Engueulade, connerie à la carte. Merci Fildar d'être venu. Merci Gérard quand même pour ce moment de bonheur. Prochain débat le 22 septembre. Oui, qui portera sur les JO. Non, c'est pas le 22, c'est le 21. Le 21, ouais, sur pareil. Les JO. Hein, ouais. Donc c'est très bientôt. D'accord. On a reçu aussi un nouveau magazine qui s'appelle France Poire. Mais ça t'amuse à le lire. Mais quoi, j'ai rien lu encore. Non, j'ai lu seulement le titre. Alors, je t'ai dit qu'il fallait pas lire. J'ai interdit tout le courrier à l'antenne maintenant. Tu la fermes et c'est tout. C'est clair, net et précis. Excusez-moi, vous pouvez ouvrir les portes, j'ai les yeux qui pleurent. Arrête de fumer la lacrymo, je te jure, sinon. Toi, tu fermes ta gueule et c'est tout. Vas-y, toi, tu fermes ta gueule. Je dis pas le courrier, je dis seulement les petites annonces qui sont dans le magazine. J'ai le droit à ça.
Alors vas-y, c'est pas personnel, c'est pour, bon, voir, pour voir si les mecs vont trop loin. Oui. Parce que ça, ça reprend comme avant et Gérard commence à en avoir ras-le-bol, il va y avoir des ultimatums. Vas-y. Alors, la visite touristique de Paris ne passera pas par le pont de l'Alma cette année. Un couple dont la femme est d'une forte corpulence est passé par là. La femme est coincée entre deux pylônes et une forte odeur d'alcool a rempli la zone dans un rayon de 180 mètres. Sanglier mystère encore. Cette même odeur se retrouve parfois au relais Carnot, dans les toilettes de la loco, à Suresnes et au foyer. Oh, on conseille donc à toute personne vivant sur les lieux d'évacuer le plus rapidement possible. Le responsable, une autre petite annonce, le responsable du centre de désintox des Alpes a décidé de céder son établissement suite à une déprime. Il aurait pris cette décision après le séjour d'un cas désespéré venant du 92. Ah mais non ! Oh putain, oh, c'est pas vrai, c'était même pas ton, c'était même pas tes courriers ça. C'est chiant. Bon, dernière annonce. La gendarmerie de Suresnes recherche activement un couple d'exhibitionnistes qui arpentent les rues de Suresnes en montrant leurs attributs. Passant. C'est pas grave de montrer ses couilles, j'y reviens. Ah mais enfin ceci dit, il te demande d'arrêter aussi. Non mais attends, en plus l'homme pourrait bénéficier de circonstances atténuantes pour cause de petite queue. Mais ça. Ça Oh non. Oh putain, la BD sont Fildar, arrête, mais... t'es nul. Fildar, présente tes excuses tout de suite. Ah mais je m'excuse pour les gens qui ont fait ça. Hein. C'est quoi ça, ce que t'as dans la. Non mais c'est quoi. Et tu l'as vu ça, c'est des vieux trucs, c'est des vieux trucs, tu veux y aller, c'était fait pour. Voilà, donc bon, là faut tout planquer parce qu'il est en train de tout déchirer là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis Gérard? Attends, il a, mais il a raison de foutre à la poubelle, non, ça va trop loin. Mais ce qui est bien, c'est qu'il le fait pas chez lui, mais il le fait ici, c'est déjà ça. il a pas de chez lui d'un autre côté. Donc. Bah, tu sais, la pochette, il peut la déchirer, on s'en fout, on en fait une. Manu, tu me donneras ce que t'as là-bas, ça t'appartient plus. Pardon ? Ça lui appartient pas, ça vous appartient pas. Hop, tu me donnes ça. Attends, il y a ça à mettre à la poubelle aussi. C'est quoi ? J'ai rien. Fildar, prends les fléchettes quand même. Attends, moi tu vas voir, je vais le donner aux avocats. Ouais, mais de toute façon, c'est pour porter plainte, hein. Ah non, oui, c'est mais... clair. On va porter peinte. Alors. C'est lui qui est peinte. Il y a des trucs hein, que j'ai pas lu, c'était perso. Il y avait des noms, alors j'avais rien fait moi. Le FG... Qu'est-ce que c'est que ça FG? Attends, mais attends, il y a des mecs. Attendez. Oui, il y a des nouveaux magazines. Non, c'est une note interne de fun, c'est Victor qui l'a fait. Non, mais en plus, non, ce que j'aime pas du tout, c'est que les auditeurs utilisent le logo de Fun Radio. Bah ouais, carrément. Ça, c'est illégal, hein, Gérard. Non, mais moi, de manière, c'est simple, 21, il n'y a pas de débat, c'est tout. Non, monsieur. Non, il n'y a pas de débat tant que ça continue. Ah, mais ça va s'arrêter. À mon avis, pour l'instant, ça recommence, donc c'est terminé. Donc c'est niette pour le 21, c'est tout terminé. Oh non, mais dis pas mais ça, terminé. Fais pas ça pour moi. Terminé, c'est tout. Bah arrête de dire des bêtises. Le branleur qui s'amuse à faire ça, qui arrête tout de suite, c'est tout. Maintenant, il y en a ras-le-bol. Et toi, Fildar, con comme t'es, tu ferais mieux pas de le lire à l'antenne. Bravo. C'est tout. Il n'y a pas de nom de famille, il n'y a rien eu. Même, t'as pas à lire le courrier comme ça à l'antenne, il t'appartient pas. C'est tout. C'est des petites annonces, ça te concerne pas. Ouais, mais enfin, quand même, attends, je suis désolé, là, quand tu vois, par exemple, qu'il y a un catalogue officiel de FG, ouais. Rentrée 2000, GG D'Agostino. Ah, ça, c'est le remix. Ouais, attends. Attends, on va rigoler, là. Bah ouais. C'est quoi, t'as une blague, là ? Je crois que personne n'a encore compris dans l'équipe que quelqu'un avait envoyé un CD que personne n'a fait écouter. Ah bah, on va rigoler. C'est vrai, Fila, bon. T'es vraiment pas un pote, un frère, un cousin. Gérard, tout est, ça, parti, Gérard est parti récupérer un CD, donc GG D'Agostino, les zoophiles du 15ème break. GG avec George Michael, Fuck Me Up Before You Go. Fuck Me Up Before You Go. Ouais, je connais, ouais. Françoise, dans un instant, on revient avec toi, tu bouges pas ma chérie? Non, ça va. Merci d'être avec nous, ne bougez surtout pas, attention, le dernier quart d'heure va être très très chaud, et attention, entre minuit et une heure, vous entendrez un vrai moment de Radio Libre qui avait été fait en 97 avec Françoise et Gérard, et Gérard qui est en train de me montrer en ce moment un CD. Il sort sa jambe. Il est énervé là, hein. Il est tout rouge. Oh putain. Oh, ça chie. Il n'y a pas eu de mort. Ça chie ce soir.